qui a fait que vous avez choisi d'être un homme politique de droite, enfin, libéral? Qu'est-ce qui explique ce choix? Est-ce que vous aimez le chocolat? Enfin, vous aimez ou vous n'aimez pas le chocolat? Ça dépend lesquels. Enfin, le bon chocolat, l'excellent chocolat. Alors, qu'est-ce qui explique que vous aimez le bon chocolat? Votre tempérament et votre goût vous portent sur le bon chocolat. Eh bien, moi, mon tempérament et mon goût me portent sur un certain type de société qui est exactement à l'inverse de tout système qui soit à la fois autoritaire, contraignant, partisan. Et c'est la raison pour laquelle les systèmes d'influence, d'origine, de racine marxiste, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient communistes, ne me conviennent pas. Quant à la conception social-démocrate d'une société que l'on peut concevoir lorsqu'il y a une grande richesse, une croissance importante, lorsque les choses sont faciles, qu'on gagne beaucoup d'argent et que donc on peut le distribuer facilement, ce sont des systèmes qui n'ont jamais rien créé de grand, qui n'ont jamais fait que dans le petit et qui n'ont jamais conduit un peuple qu'à la décadence, sous quelque forme qu'il se soit exprimé. Donc je récuse également cette forme. Alors je ne suis pas non plus libéral, parce que je n'aime pas ce mot pour une raison simple, c'est que je ne sais pas ce qu'il veut dire et que chacun met derrière le mot libéralisme sa propre conception des choses. C'est pourquoi je préfère dire que je suis pour une société de liberté. D'où ma réserve à l'égard des partis politiques, à l'égard des contraintes de ce genre.